Salut à tous et à toutes, c'est Nargle, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je vous l'admets. Mais là, c'est le mois d'août, je travaille beaucoup et le peu de vacances que j'ai, comme je vous expliquais sur le dernier post, eh ben, je profite de ma petite famille et je profite de bouger aussi pour profiter tout simplement. Donc voilà, ça y est, je vous refais une vidéo sur Projet Lite. Ça faisait un petit moment que je vous en avais fait, c'était quand je crois que le jeu était en bêta test où on pouvait choper quelques clés et j'avais eu la chance d'avoir la clé par les développeurs et du coup je vous l'avais fait en live et j'avais fait aussi une vidéo. Mais là ça y est, il est sorti début août, il est un accès anticipé. Donc il y a pas mal de choses qui se sont rajoutées comme ici, là-bas, c'est des échanges entre joueurs. Ici on peut acheter de la bouffe avec le gars qui est couché sur le comptoir, lui là-bas il est bloqué. Ici bon ben ça change pas, on peut acheter du cosmétique. Ici on peut revendre du matériel scab si je me souviens bien. Ici on consulte nos emails et voilà. Et derrière là-bas il y a le monsieur qui nous fait partir en scab. Donc du coup mon équipement voici, j'ai farmé un peu quand même, j'ai fait quelques parties. Donc du coup mon bonhomme il est comme ça et d'ailleurs parce que je meurs assez souvent. Donc voilà, tout ça je l'ai acheté, j'ai acheté le pantalon, tout ça machin, et là en fait j'ai le logo français en fait quand j'ai un gilet pare-balles. Donc là, je n'ai pas de gilet pare-balles, j'ai juste si c'est un gilet pare-balles, mais c'est des gilets tactiques en fait. Vous savez que ici, là, il y a les cuissons français. Donc voilà, c'est un truc de customisation. Donc on peut avoir les lunettes, on peut avoir. Voilà. Et on les achète avec ces espèces de tickets qu'on gagne à chaque level. Donc voilà, ou sinon, je pense que. Non, je pense pas qu'il y ait une boutique. Non, il n'y a pas de boutique. En fait, c'est par level. Donc voilà, pareil. Hein, ça, c'est les traders. On peut avoir. Le bazar, c'est en fait c'est les échanges entre joueurs. Là, c'est le médic. Ici, c'est tout ce qui est munitions, armes. Et ici, ben, lui, c'est là où on achète quelques balles, les casques et tout ça. Et tout ça. Donc voilà, je suis level 3. Et puis on va partir pour un petit raid tranquillou. Je pars avec une AR9 avec les balles qui sont ici et gilet pare-balles. Voilà, ça c'est un truc que j'ai gagné avec en tuant des scavs. Donc voilà, il fait nuit et on est parti. Bon après c'est pas des nuits trop sombres, c'est des nuits c'est des nuits claires où quand même on voit les joueurs et on voit les scavs. C'est pas une nuit noire où on a besoin de JVN. Ensuite aussi, l'extension Frostline va sortir, je pense que je vais monter un troisième serveur pour cette map. J'ai vu un peu, j'ai suivi les devs un peu avec leur publication. Ça va être une map folissime. Donc je pense ouvrir un autre serveur. Voilà, sur DayZ. Et sachez hein, que j'ai réfléchi, je vais faire du DayZ. Mais je vais faire aussi des jeux que j'adore en live. Du Projet Lite, du Tarkov. Voilà. Donc du coup, je vais un peu varier les lives. Après, vous inquiétez pas, il y aura toujours des jeux de survie. Il y aura toujours DayZ. DayZ, c'est mon jeu de cœur. Et aussi peut-être avec Barjo, s'il a quelques jeux, si on a des jeux en commun, ben, tout simplement, on va se faire des sessions tous les deux sur des jeux un peu variés. Et voilà. Donc voilà le topo. Alors, nous sommes ici. Les extractions s'activent. En fait, il y a des timers de temps. Et du coup, voilà. Ça permet, en fait, là j'ai 44 minutes. Mais ça permet en fait aux joueurs de rester ben, le plus longtemps sur la map. Sachant qu'il y a des extractions comme là-bas, il y a une extraction, où elles sont payantes. Donc si on veut vite s'extraire,
et bien automatiquement ça va être ben, beaucoup plus tendu. Alors là j'ai un sac médical, c'est pas mal. Alors on va essayer de trouver le vase. Parce que sur une mission, j'ai un vase. On va essayer de le trouver. Il n'y a pas d'appartement ici? Ah si. Toujours. Hein. Alors il y a des broutilles hein, à récupérer. Hein. C'est pareil, il y a des broutilles à récupérer que l'on peut vendre. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah, un état. Oh, sur le sol, il y a un chargeur. Il y a un joueur qui est passé là. Energy drink. J'écoute voir s'il n'y a pas un joueur dans le coin. Je vais fermer la porte. Après, moi, je prends beaucoup de choses parce que je revends tout en fait. Ça, c'est quoi ça? C'est une serpillière, non? Drop. Ah oui, et au sol, tout ce qui est environnant. On a ça. Ça peut nous rapporter des sous. On a un sac. J'écoute hein, pour savoir s'il y a, un mec par là. Oh la vache. Là, il y a des balles. Ici. Il y a du médic, on va prendre le médic. Ça va se revendre ça. Ah non, c'était pas un jour. Ah si, j'ai confondu moi mes deux inventaires. Du coup. Regarde, là il y a une arme ici. 22 balles. Alors, on est là. Ok. Alors, comme je vous ai dit, le but, ça va être de trouver le vase. Alors comme moi j'ai déjà piégé un joueur comme ça, je fais gaffe à chaque fois qu'on ne m'attende pas sur un palier. Je prends ça, c'est un rail, on peut le prendre. Il y a beaucoup de choses. Chandelier. Et un chargeur aussi là.
Il n'y a plus rien. Il n'y avait qu'un appartement en bas. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, là, ça va nous coûter des espèces de crédits, de je sais pas trop quoi. Et là, ça va nous coûter des sous. Si on veut s'extraire ici. Normalement, ça grouille de scav. Ici, il y a du monde, je sais. Là-dedans. De toute façon, c'est l'extraction. Hein. C'est ça. Ouais, c'est l'extraction. Ici, ça pète souvent. Là, il y a une caisse de mine. J'écoute, hein. C'est pour ça que je parle pas beaucoup. J'écoute voir ce qui se passe. Oh là, il n'y a qu'un encore. C'est quoi ça? Un rail aussi. On va le prendre. Extraction qui se sont activées. Alors on va voir où elles sont. Ah voilà, il faut payer 2000 pour s'extraire. Il y a ici. Après, la dernière fois, je me suis fait camper par un joueur. Là, il y a un joueur qui campait les extracts. Bon, automatiquement, il y a toujours de. Ah, il faut être level 2 avec je sais plus trop qui pour pouvoir s'extraire là. Donc, on peut pas s'extraire là. On peut essayer ici. Sachant que ça va être tendu, mais on peut essayer. Parce que là, je suis quasiment fou. Je ne sais pas si on va trouver ce foutu vase. Oh la vache. Ah, ça a été transféré automatiquement. Ah ouais. Ouais, je vais le récupérer quand même. Ça, je vais récupérer. Ça se vend. Ça, je récupère. Ah ouais, le gros sac là, il est pas mal. Ensuite, c'est vrai. Ok. Les trucs médicaux, ça se vend très très bien aussi. Hein. Médicaux.
du statut de... attendez. Ça, c'est des dollars. Ok. Ok. J'écoute toujours. Je pense qu'on est au bout là. Il n'y aura pas d'autre. Ah si, il y en a un là. Ou une clé. Ça on va le jeter, on va récupérer ça plutôt, ça aussi. Et une autre clé ici. Oh la vache. Oh, je suis full. Ça on va le dropper aussi. Oh, il y a un pare-balles là. Oh, il y a une plaque. Je vais essayer de me refaire un plein de plaques. Parce que je pense que le vase, on ne l'aura pas. Alors, est-ce qu'il spawn quand on active la... Oh, ça aussi. Ici. On est au bout. Alors, maintenant, le but, c'est de s'extraire. Du coup, l'extraction, elle est ici. Ah, je vais mourir, hein, je pense. Parce que l'argent, il est dur à faire. Hein. Donc là, je vais dépenser. Si je dépense 2000, extraction starter. Allez, où? Il y a une autre extension là. Dans une minute. Une minute. À la limite. Parce que là, j'assure, je vais mourir. C'est sûr. Il y a trop de monde ici. Il faut que je save un peu ce que j'ai. Là, j'ai pas envie de dépenser 2000 parce que c'est trop d'argent. Et c'est très dur à récupérer. Ou je fais un tout droit, je monte là et je m'extrais là-haut. Je pense que je vais faire ça en fait. Ok, alors il faut que je saute par où? Je suis là. Il faut que je contourne. C'est bizarre qu'il n'y ait pas beaucoup de scav ici. D'habitude, c'est la blinde.
Ah oui. Il est là-haut. Ça tire, ça me tire dessus. Je saigne. Ah mais j'ai pas de bandage. Ah ça va arriver. Ah non, il remonte. Il y en a un autre qui court là-bas. J'ai pas de bandage. Je saigne en plus. Ah, il y en a un là. Je saigne, putain. J'ai pas bandage, pas bandage. Merde. Je suis dans la merde. Ah, ça y est, ça s'est arrêté de saigner. Ok, il faut que je monte là. J'aimerais savoir si lui... Il a des bandages. Ah, ça c'est nul ça par contre. Eh bien... C'est pas fou. Maintenant, c'est survivre. Donc, il y a des PMC, hein. Il y a des PMC joueurs. Donc là, c'était un PMC joueur. Parce qu'il y a le... Il y a le tag que j'ai récupéré. Par là-haut si je peux. Je pense que je pourrais pas. Non, je peux pas. Merde, faut que je fasse le tour.
pense que j'ai soif, non? Énergie, ouais, j'ai soif. Food. Ah, il y a quelqu'un dans le truc là-bas. Oh, y a un mec. Je sais pas avec quoi il a tiré. Mais je saigne beaucoup. Ah, il est là-bas. Oh, j'ai plus de soins. Oh non. Open. Vite, 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 je vais mourir. Ah putain. Je suis mort. Je suis mort. Bon ben voilà. Ce jeu est très 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 dur. Hein. Les impacts de balles font hyper 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 mal. Et puis les scavs nous loupent pas. Je pense pas que ce soit un scav ou je sais pas. Allez. Bon, ben, je suis mort. On peut pas gagner à chaque fois, hein. C'est pas possible. Donc je suis mort, j'ai tué un NBC. NBC, j'ai pas tué de joueur. Donc je suis passé level 4. C'est pas mal. On retourne au lobby. Et moi, après, je vous laisserai là. On va se réarmer vite fait. Et c'est très, très, très dur hein, de sortir avec du matos. C'était... De toute façon, le plan était risqué quand même. Le plan était assez risqué. Du coup, je vais sortir avec une arme basique pour la prochaine fois. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais le mettre là. Quoique, je vais prendre ça plutôt. Ah, je peux pas le mettre dans ma caisse. Ah bon? Et si j'enlève ça, je peux pas. Ah, parce que c'est pas assez grand. D'accord. Les attelles sont où? Alors, je vais tout ranger comme il faut. Les attelles. Bandage, je vais mettre. On va mettre un sac de noob. Voilà, comme ça j'échange. Oh non, j'avais laissé mon casque. Bon, c'est pas grave, je vais mettre ce casque là. Du coup, en balle. Ah non. Je vais plutôt faire ça. Et les balles, elles sont où? Elles sont où les balles? Ça va pas là. Là, c'est bon. Donc, on va mettre des balles ici. Et voilà, c'est pas mal. Un pare-balles, si.
un gilet pare-balles avec une plaque, une plaque. Voilà. Et on est pas mal. Ça, je vais le mettre là. J'ai plus de grenade. Non, j'ai plus rien. Du coup, il va falloir que je prenne de la bouffe quand même. C'est quoi ça, c'est vodka? Ouais, bouteille d'eau. Wow. Je sais pas comment on fait pour split. Là, ça me fait chier, tu vois, de mourir et de perdre 10 bouteilles d'eau, quoi. Franchement, quoi. C'est bête qu'on peut pas split, en fait. Là, il y a deux trucs, là, mais si, ben, voilà. Ouais. Bon, écoutez, on fera des maisons pour essayer de trouver ce qu'il faut. En tout cas, voilà. Hop, mon bonhomme, il est comme ça, du coup. Ah, ben voilà, j'ai le porte-plaque là. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'est dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je sais pas sur quoi, sur DayZ, Tarkov, Projet Elite. Je verrai bien. Et en tout cas, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.